Alors, dis-nous ta recette. Alors, pour éviter le gel, il faut une pincée de gros sel et tu badigeonnes avec passion. Pour éviter que tu te casses la goulette. Ok ? Ok. Oh la vache, on s'est mis ça. Bon, on va essayer d'aller à Gizmo, on verra bien ce que ça donne. Salut les amis! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Aujourd'hui, nous sommes le 16 janvier. Et qu'est-ce le 16 janvier? C'est l'anniversaire de mon mari! Bon anniversaire! Salut les amis! Merci chérie! Mais pas encore 40 balais, ben Juice! T'as pas pourri de la caisse encore? Ah, il a 40 moins 1. Ah, oh bah ça veut dire quoi qu'à 40 balais, t'es pourri de la caisse? Eh ben carrément. Non, je rigole. Je rigole, bien sûr. Hein. Ah oui, rigole. Rigolade. Il a 40 moins 1, alors bon. Ouais, ouais. On y est, la quarantaine. Ah, je vais pas dire ça parce que. Moi, c'est le 16 janvier, mon anniversaire. 39 ans, du coup. Bon, par contre, j'ai mon poulain. Enfin, c'est son surnom, ah, je l'appelle poulain. Mon pote qui est venu faire les soudures, là, la semaine dernière. Et il a eu les 40, ça y est. Il a eu 40 le 11 janvier. Donc du coup, Non, tu pourras refaire la vidéo, il a eu 40 le 13. Le 11, c'est ta sœur. Bon, il faut l'excuser, il y a plein d'anniversaires, mon Jerry. Bon, en même temps, c'est ce que je viens de dire. Hein. J'approche des 40. Non, c'est le 13 janvier, mon poteau. Mon 13 janvier, mon 13 janvier, il a eu 40 ans. On commence bien la semaine, nous. Le 13 janvier, il a eu 40 ans, voilà. Mon poteau. Voilà. Et ta sœur, le 11 janvier, elle a eu... Bah du coup elle est née en 2000, donc du coup ça fait 23, bah ouais, 24, c'est facile. 24 ou 23? 24. Oui, 24. 24. Oh, ah bah en 2024. Ah bah ça la ramène moi ça, science, hein, tout de suite. Ah oui, on est en 2024. En 2024, bordel. Oh la vache. Donc ma frangine le 11, enfin une de mes frangines, hein, parce que nous on est une grande famille. Une de mes frangines, ouais, 24 ans avec Vigeon. Et mon poteau, 40 balais. Bah ça nous rajeunit pas ça, mon petit poulain, hein? Bah allez. Il est où le temps où on faisait le con avec la 205? Ah putain. Mais... Allez, on bosse, hein. Ouais. Gaz. Là, cette semaine, c'est le gaz, les amis, le gaz. Et moi, c'est chambre. Coucou, les amis. Bon, voilà dans la chambre. J'ai prépercé mes tasseaux pour pouvoir fixer, pour faire mes étagères. Sauf que je n'ai pas accès à la visseuse. Du coup, bah, je vais laisser ça de côté pour l'instant et je vais commencer à couper les planches pour l'intérieur. Donc voilà, et après j'aurai plus qu'à tout assembler. Allez, c'est parti! Ça va, je gère.
Tu gères, ça va? Ouais, ça va, je gère. J'essaye de faire au mieux, là. Impeccable. C'est pas évident. Bon, bah, moi, ton placard de ton côté de lit, c'est bon. Impeccable. Et ta germise et tout. Bah, vas-y, fais voir aux amis. Hein. Là, il me reste le fond et le plafond. Puis après, deux, trois finitions à droite à gauche, mais normalement, c'est bon. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Faut allumer, ouais, je pensais. Ouais, voilà. Tu vois, donc là, il te reste le plafond. Là, il me reste le plafond qui va arriver à peu près, à peu près ici, là, pour... Bien que ça soit étanche, voilà, puis qu'il verrait. Pour que tous mes câbles, ils puissent passer derrière. Ah oui, okay. Et là, je suis en train de faire le fond, pour qu'après, je puisse passer mon plafond. Et après, je vais venir jointer tout ça, tout nickel. Et puis ici, je vais venir mettre une autre planche qui va venir là, de 5 cm, parce qu'il te faut 5 cm devant tes bouteilles pour les tenir. Ah oui. Voilà. Ok. Voilà. Bah, c'est propre, hein. Bah écoute, une fois qu'il y aura le... Une fois tout ça, ça sera fait, jointé, repeint, tout ça, machin, normalement, ouais, ça va faire un beau coffret gaz. Et je m'arrange vraiment pour que ça soit le joint qui fasse étanchéité de la porte, quoi. Ok. Et après, bon, faut que je finisse mon soubassement et tout, là, que mon pote, il m'a fait, là. Et tout ça, après, ça va être... là, ici, je vais faire un gros joint de PU, ici, pour rattraper celui-là que j'avais fait, là. Puis après, je vais venir bourrer ici de PU, puis là, pareil, pour remettre mon joint, puis ça sera étanche, hein. Ouais, ok. Voilà. Là j'ai rapproché au maximum, c'est pareil pour faire une antichie. C'est pour faire pour le rendre étanche aussi au maximum. En fait il sera étanche à chaque jointure, à chaque machin, je colle direct, tout sera jointé quoi. Enfin voilà quoi. Ok. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si si, tu t'es bien fait compris. C'est bon. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, chérie! Joyeux anniversaire! Merci, mes amours! Ah, c'est pour ça que ça défonde! Ouais. Papa, viens! Attends, je termine! Papa, viens, ça va fondre! Ah, viens! Il y a un délire! Impeccable, nickel. Eh ben attends, on va se réchauffer un petit peu. C'est pas bien. C'est moi qui a choisi ce qu'on prend. Nickel ma puce. Allez, fais un vœu. C'est bon, ça y est. Vas-y. Allez, souffle. Assieds-toi, maman. Impeccable. C'est ma part, je peux te le lire ou tu veux? Attends, tiens. Je le mets où ça maintenant? Il est où ce palin? Il est là. Non, ça rentre pas bien. Allez! Ça rentre pas. Attends. Bah, attends, parce que maman, maman. Tiens, mets-le dessus, c'est bon. Je vais lui dire. Vas-y. Allez. Attends. Tu es tombé, tu galères. Allez. Joyeux anniversaire, papa chéri. 39 ans déjà, ça passe vite. C'est mon papa pour la vie, mon papa à la folie. Merci, ma belle. Merci, ma belle. Oh, je t'aime d'amour. Merci, mon amour. Oh, c'est trop beau, ça. Allez, on goûte. Heureux? Ouais, heureux, ouais. Alors, ce petit goûter? Ça commence... Ah bah, impeccable, hein. Ça m'a remis en forme, mais ça commence à cailler, quand même. Ah bah oui, là, la nuit, elle tombe, là, ouais. Ça caille. Ouais. Donc, puis ils ont prévu un peu de neige, là, donc on va voir ça. Bon, bah voilà, hein. Oui, fais voir ma copine. Voilà. Alors. Il ne me reste plus que la planche du dessus, là, pour cacher un peu mes fils et ma goulotte, là. La planche qui va venir au-dessus. Ah oui, d'accord. Clac, qui va venir à ras ici, là. Ok. Il faut que je fasse attention à ça, pour bien que ça ferme. Et puis après, je joins tout. Je joins tout, nickel et tout. Une fois que les joints ils sont secs, j'enlève mes équerres. Et je rejoins derrière les équerres. Les équerres, en fait, elles sont juste là pour tenir le bois le temps que je le colle. D'accord. Voilà. Et puis voilà, quoi. Voilà, voilà. Ça, je me demande si je vais le mettre ou pas. Ça, c'est pour tenir la bouteille en bas, tu sais. Il faut une marche, d'ailleurs. Donc ça, je vais voir un peu. Normalement, la bouteille, elle tient ici. Et dans l'absolu, plus tard, on peut en mettre une deuxième au fond, comme ça. Le détendeur, il va venir en haut, là. Impeccable. Donc faut que je fasse passer mon câble, mon cuir, fasse remonter, après avec ma lire, tac. Impeccable, super. Là c'est bien, là je vais jointer ici, je vais jointer là, nickel.
Là, une petite baguette, remis le joint, plein de colle PU partout. Et puis c'est bon, quoi. Je pense que le coffret gaz, il aura bien avancé déjà. Je vais le finir demain. Je vais jointer demain. Et puis, Faut après, qu'on achète de l'anti-gravillonnage. Ouais, il faut acheter de le. Ouais, bah, ma bombe, elle a pas tenu le choc. Donc il faut que j'en rachète une pour faire les soubassements et en dessous. Et après, il faudra que je revienne faire des joints colle PU en 6K en dessous là, pour que ça soit propre. Et que ça soit étanche aussi en dessous, c'est pour pas que l'eau, que les impuretés viennent, et puis que ça recorrode tout. Quoi. Voilà, voilà. Non, mais sinon, dans un premier temps, là, je suis bien content. Ça a bien avancé. J'ai fait un beau truc là, c'est bien, c'est propre. C'est simple. Voilà, simple, efficace, voilà. Et puis voilà, voilà. Bah oui. Chier, je n'arrive pas à m'en passer dessus. Et puis voilà. Non, bah c'est bon, hein. C'est bon. Allez, je range et puis on y va. Allez. On revient demain matin. On va au chaud. Ouais, allez, je range et puis c'est bien. Quand on vous disait, les amis, que ça caillait, nous, en Picardie, là, regarde-moi ça. Hein, on rentre de chez Gizmo là. Ouais, carrément, je vais te dire. On a bravé le froid aujourd'hui. Ouais, bah. Ouais, et bah, les intempéries. Bon, petite nouvelle, bah du coup on sort pas trop la caméra au froid hein, parce que c'est vrai que ça caille. Donc le coffret gaz est terminé, le montage est terminé. Il me reste juste à faire l'étanchéité avec la colle et tout machin, la peinture. Mais le problème c'est que faut attendre qu'il fasse doux quoi. On peut pas faire la colle ni les joints là. Voilà. Donc voilà, hein, vous avez vu le temps. Bon, voilà pourquoi ça va être compliqué. Hein. Bon, allez. Tchuss. Tchuss. Arrête, arrête, je suis pas habillé pour moi. Non, arrêtez, je suis pas habillé pour. Arrête, regarde, je vais l'avoir partout. Arrête, non, c'est bon, stop. Non, on arrête. Non, on arrête, je t'ai dit. Arrête, allez, c'est bon, stop. Arrête. Sparrow. Ça va, mon gros zizou. Là, venez par ici. C'est quoi ça, ma fille? C'est la neige. Venez par là. Putain, je suis pourri là avec vos conneries. Faites là. Une boule. Là, ben là, ça va être. Salut. Bon bah rebonjour. Ça ressemble vachement à hier. Hein. Mais du froid en plus et de l'humidité en plus. Et une alerte orange en plus. Une alerte orange, ouais, en machin. Donc, je préfère vous prévenir tout de suite. Je pense que. Comment dire? Je pense que le coffret gaz, il va prendre un peu de retard. Tout simplement, pourquoi? Parce que je peux pas jointer. Je peux pas jointer de ce temps-là. Là, il fait moins 2. Ça gèle à fond de balle. Donc, ça sert à rien que je jointe. Hein. Je préfère attendre la semaine prochaine. La semaine prochaine, ils ont annoncé une vague de redoux entre 10 et 15 degrés. Enfin, un truc de dingue, mais bon. Enfin bref, je préfère jointer à ce moment-là, quoi. Tu vois, celle-là, je voudrais jointer, faire toute ma peinture et tout après. Donc on va attendre la vague de redoux. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah oui, ouais, carrément. C'est pareil, hein. Travailler le cuve et tout machin. Enfin voilà, quoi. Ouais, la semaine prochaine, ils annoncent une dizaine de degrés. Là, c'est un truc de fou, là. Là déjà, rien pour venir au quart, là. C'est une galère, tout est gelé. Il y a une plaque de verglas de 2 cm partout là.
Partout. Et pourtant, on entend, bon, après, les grands axes sont salés, donc ça va. Mais ouais, non, ça a été un délire hein, ce matin. Ça a été un délire. Ben, pour venir, ça a été un délire. Mais bon, après, on a fait attention. Là, voilà, comme... Du coup, je vais avoir un coéquipier dans la chambre. Bah du coup, ouais, on va aller se faire les... Là, je finis ça, puis on va aller se faire les étagères, du coup. On se sentira moins seul. Bah ouais. Et puis surtout, ça sera pas la guerre des outils. On a besoin des mêmes outils, alors voilà. C'est galère. Bon, bah voilà. Bon, bah là, ça ferme. Parce que ça fermait pas avec la planche trop épaisse. Ah oui, d'accord. Tu vois. Là, en fait, ici, là. Là, en fait, ici, ça fermait pas. Ça, c'était trop épais. Tu vois, j'avais mis ça. Ah là, oui, c'était trop okay. épais en fait. J'ai remis un contreplaqué propre pour dire après le peindre et puis faire mon joint autour. Quoi. Voilà. Par okay. contre, il va m'en falloir de la colle PU, mon copain, parce que j'ai des trous à boucher. Hein. Voilà, j'ai pensé à ça aussi. Regarde. Qu'est-ce que t'en penses, Ginette? Il va rester de la cornière PVC comme ça. Bon, il faut que je la retravaille. Hein. Regarde. Voilà, forcément, elle est trop longue, tu vois. Ouais. C'est pour bien finir ici là. Ouais. Et après la retailler dans la longueur là. Et en mettre un bout ici pour que ça fasse propre. Hein? Ouais. Tu vois? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas mal. Pas mal hein ça. Hein? Ouais. Et ça finalement je vais pas mettre ça là. C'est pour faire le maintien. J'ai vu qu'il y avait ça. Et j'aime bien. Tu vois, c'était les restes du lit ça. Tu vois? Regarde. Parce que là en plus j'ai déjà le tasseau. Je vais pouvoir visser et en fait je vais mettre ah ça. Ah oui d'accord, ouais. Tu vois, ah bah oui. Je vais en mettre un bout bien propre. Mmh. C'est bon là je vais recouper là, mais c'est un et bout. T'as déjà le tasseau du bas pour voilà. visser. Et là c'est déjà arrondi et tout nickel. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais c'est bien. Pas mal c'est ça. Très bien. C'est pas mal. C'est très bien mon amour. Donc je me fixe ça, je mets ma planche du haut et puis après on attaque le. Ok. Bah moi je vais couper ma planche. Je me suis préparé une planche hier. Parce que ouais. Et bah puis oui. voilà, je peux te prendre la visseuse? Toujours pas? Bah non, ah non je viens de te la ramener, donc je peux pas te la prendre. Ouais, je vais tout visser. Bon, bah allez hop, moi je coupe ma planche. Vas-y. Salut les amis. Bon, sacrée journée encore. Ah la vache, allez, regarde. Je me retourne mon copain. Voilà. Bien tombé, hein. C'est bien tombé. Et encore, hein, là. Voilà quoi. Ça faisait bien longtemps qu'en Picardie, on n'avait pas eu de neige. Hein. Puis là, bah voilà, regarde. Voilà. Gizmo il a un petit peu de neige, regarde, t'as vu un peu? C'est tombé, ça a dû tomber comme ça. Hop, voilà. Bon allez, hein. On y va, hein. Go. On va aller bosser un petit peu. On va aller bosser un petit peu. Oh la vache. Oh, j'ai mes lunettes qui se sont teintées, je vois plus rien. Ah. Alors attends. Messieurs-dames. Qu'est-ce que tu nous fais toi encore? Je sais pas, c'est une vidéo qui s'est mise sur Insta. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Comment tu vas? Flémiche. Tu te réchauffes les miches?
Pourquoi ça caille au moins? Parce que ça caillotte, ça caillotte. Qu'est-ce que t'es J'ai belle froid. T'es belle avec tes beaux yeux, regarde. Oh la vache. Bon, allez, sur ce, bah il faut... Bon, vous avez bien compris, hein, je pense que là... Je suis en train de faire un petit instant. Voilà, on verra pour travailler dehors. Finir ce coffret gaz, là... Ouais, donc il est fini de monter. Je l'ai entièrement monté, hein, je me répète encore, mais... Toi, te répéter? Non, moi, je me répète pas. Non. Attention, hop, voilà, j'en mets ma casquette, hop, prêt pour si l'attaque. Si vous ne savez pas, vous ne saurez jamais hein, que le coffret gaz, ça sera fait quand il fera un peu meilleur, parce que les joints, ça ne tient pas, ça va pas bien sécher et tout. Ok. On vous le redira encore une fois tout à l'heure. Ah mais merde. J'ai fait un petit Insta. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, hein, on a Instagram aussi. Ouais. Alors mon copain. Et TikTok, mais. Ouais, TikTok, c'est pas terrible. TikTok, ouais. J'aime moins. On verra ça alors sur la route. Avant, j'aimais moins Insta, mais maintenant j'aime moins que TikTok. Bah ouais. Non, mais bon, là, ceux qui sont pas encore abonnés, allez vous abonner sur Insta. Si vous regardez la vidéo, hein, on a à peu près entre 600 et 700 allez, vues. Allez, j'ai un TikTok quand même. Allez. On a à peu près entre 600 et 700 vues sur les vidéos. À peu près, quoi. En 4-5 jours, en gros. De quoi? Les 600, 700 vues sur YouTube, à peu près. Ouais, en 3 jours. Voilà. Ouais. Donc, il y a beaucoup de vues le premier jour. Le deuxième jour, et après, c'est un peu moins. Donc, allez vous abonner sur Insta. Comme ça, sur Insta, vous nous suivez un peu plus... Comment dire? Un peu plus souvent, quoi. Il y a un peu plus de posts. Avec les shorts et tout, YouTube, machin. Et après, sur Insta, il y a des publications aussi. Allez sur Insta, les amis. Voilà. C'est pareil, c'est gratuit. Hein. Tu peux y aller, mon copain. Et pensez à mettre des pouces sur les vidéos. Ça va booster les algorithmes YouTube. Voilà, si tu veux, mon copain, on va faire comme ça. Voilà. On va faire comme ça, on va mettre des pouces sur YouTube pour afficher, booster les algorithmes, ça mon copain. Ça fait Jeff Tuche. Ouais. Non, Jeff Tuche, je sais pas le faire. Bah, ça ressemble à Jeff Tuche. On peut le faire une fois, mais on peut pas le faire deux fois. Mais si, on peut le faire deux fois, mais on peut pas le faire trois fois. Trois fois, bah oui. Ah bah si, si on peut le faire deux fois, on peut le faire. Bon, madame. Madame. Oui. Excusez-moi de vous déranger, madame. Oui. Pendant que vous gérez Insta. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que là, je gère plus Insta, là. Je gère le NT de mes enfants. Bah oui, là, parce que... Là, c'est la mère de famille qui parle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'école. Ils n'ont pas d'école depuis mercredi, en fait, là. Oui, et puis apparemment, demain, c'est pareil. Ouais. Bah, en tout cas, pour le demain, collège, c'est pareil. Mais pour le collège, voilà. Il n'y a pas de transport scolaire, il n'y a pas de cantine. C'est compliqué. Ouais, sans cantine, on ne peut pas les mettre à l'école. Bah ouais, voilà. Ouais, non, bon, c'est ça un peu plus compliqué, après. C'est clair. Avec le boulot et tout. Ouais, donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Je chauffe mes gants. Bah allez. Il marche bien mon chauffage. On va vous montrer où. C'est là, regarde. Comme tu peux voir, mon copain. Il fait 1 degré, ouais. Il y a 1 degré, ouais. Il fait 1 degré et 85% d'humidité. Oh, ça, t'as vu? Regarde, il y a un petit peu de neige dans Gizmo, tu vois. Enfin, dans Gizmo, sur les carreaux. Truc de ouf. Hein. Bon là, on a ouvert un peu, hein, pour le chauffage gaz. On va faire voir où on en est. Ouais. Bon, puis bon, bah, comme vous pouvez le savoir, le coffret gaz, il n'est pas... Bon, bah, il faut qu'on vous dise, le coffret gaz, ça va pas être possible de le finir. Voilà, parce que voilà, quoi. Voilà, il fait froid, les joints, ça va pas être top, voilà. Moi, j'hallucine. Comme vous avez pu voir au début de la vidéo, j'ai fait les étagères là et là. Voilà, impeccable, ça c'est bien. Après, hier, on a fait ce côté-là. Voilà, c'est encore notre matériel. Et là, du coup, il faut qu'on fasse ce côté-là. Mais alors, je me suis un peu foirée sur celle-ci. Ouais, mais on va essayer de l'adapter, c'est bon, de toute façon. Mais on va prendre des plus larges tasseaux, oui. En fait, il va y avoir un jour sur celle-ci, quoi. Ouais, mais c'est tu sais, les autres, ils collent bien au mur. Ouais. Celle-ci va être sur le tasseau, mais pas totalement. Ouais, non, mais c'est bon, t'inquiète pas. On va essayer de se débrouiller. Faut que je note et après, aussi. J'ai préparé les... Bah oui, mais qu'est-ce qu'on met comme vis sur cela, du coup? Faut qu'on regarde. Non, mais parce qu'ils sont plus larges, ces tasseaux-là. Ouais. J'ai préparé les tasseaux pour faire la petite étagère, là, le petit placard... Je crois que je mets un peu de lumière, ça. Petit placard à école, ça va être, je pense. J'avais pensé, oui, on mesure tout. Comme ça, on va dehors une seule fois. Ouais. Pour tout couper, ouais. Et après on revient là pour tout mettre. C'est toi la chef, c'est toi la chef des étagères. Donc c'est toi qui vois. Non, c'est mieux, on va faire ça. Comme ça on va dehors qu'une fois, on coupe tout là.
Il n'y en a plus que 3 comme ça, tu peux rentrer au chaud après. Et après, on revient dans le chaud, si on peut dire que c'est fait chaud. Voilà. Hop. Ouais. Non, mais on n'a pas encore les V-Basto. Hein, donc on fait ça. Ouais. On se fait ça. Une fois qu'il y aura les V-Basto, je pense que... Ah, puis on a une nouvelle aussi, on leur a pas dit. Quoi? Bah, qu'on a reçu... que ta sœur est partie voir où elle est en ce moment, et puis que... Ah, oui. Alors attends, bouge pas, je te cadre, hein, parce que c'est une grosse nouvelle. C'était c'est moi qui l'annonce. Ouais, puis c'était prévu dans notre road trip, et voilà quoi. Ah oui. Vas-y. Normalement, je dis bien normalement, mais bon, on va faire tout. On va bien pouvoir aller à la plagne en janvier 2025. Parce que c'est bon, Gizmo, ils passent et tout, ils ont ce qu'il faut. Voilà. Pour accueillir les camions aménagés, là déjà qu'ils y vont là-bas. Donc voilà. Sauf qu'il faut réserver fin août, début septembre pour être sûr d'avoir de la place. Mais bon, je vais être au taquet. Fin août, je vais regarder tous les jours sur le site si on peut réserver. Tu m'étonnes. Comme ça, au mois de janvier 2025, la plage. Voilà, on pourra aller au ski. Au Tout ski. Oh, ça fait 2 ans qu'on va mettre au ski. Ouais, carrément. Non, mais ça va être chaud. On va mettre au ski pendant 2 ans parce que bon, on a fait des autres beaux trucs en même temps. Exactement, ouais, carrément. Ouais, bah, les dernières, on a pas été au ski. On était à New York. Bah, ouais, on pouvait pas tout faire. Cette année, on va pas au ski parce qu'au mois de février, on va quelque part. Voilà. Voilà. Bah, je leur ai déjà dit un peu, mais je leur ai pas dit où. Je leur ai pas dit quoi. Pas dit ce qu'on faisait. Non, je l'ai pas dit. On prenait une semaine de vacances, mais t'as pas dit voilà. Ce qu'on faisait. Ouais. Donc, du coup, vous allez nous suivre aussi pendant la semaine, là, parce que c'est quelque chose qu'on veut partager aussi avec vous. Donc, grosse surprise début février, je pense. Voilà. Bon, après, le montage, je sais pas comment ça va se passer. En février. Ouais, je sais pas comment ça va se passer, si je pourrais le faire ou pas. On rentre déjà un dimanche, donc quoi qu'il arrive, tu pourras pas le faire pour... Ça sera plutôt une vidéo bonus. Ouais, oui, ah bah, de toute façon, oui, voilà, c'est une petite vidéo bonus qu'on va vous faire en plus. Donc soit le mercredi voilà. Quand on rentre, donc dans la dizaine, là. Ouais. On rentre le 11, donc soit le mercredi d'après. Ouais. Le 14-15. Ouais. Soit le mercredi. Donne pas de date, hein. Une vidéo bonus, ça sort quand ça sort. Et puis, oui, en même temps, c'est du bonus. Hein. Ouais, exactement. Quand c'est prêt. Voilà. Qu'est-ce que t'es belle. Merci. Je le répète encore. Bon, on y va là, parce que mine de rien, on va pas avancer. Oui, on y va parce qu'après, il va regeler et il faut qu'on parte, qu'on rentre avant qu'il regèle. Parce que ouais, là, c'est sur la neige et tout, ça va, mais ce soir, quand ça va regeler, ça va être dur. Bah, on a à peu près 10 bornes à chaque fois pour revenir à la maison. Donc hier on est parti un petit peu tard. Hein. T'as ouais, vu, hier la neige peu, avait ouais. Déjà bien tombé. Elle était déjà mais bien tombée, ça glissait pas mal. Ouais voilà c'est ça. Faut mais mieux bon. Rouler sur la neige fraîche que de l'eau glacée. Mais là le problème qu'il y a c'est que ça c'est en train de dégeler. Oui c'est la voilà. Neige fondue qui va être à 18h ils ont prévu moins 2 donc ça va regeler sur le dégel là. Et là ça va être une vraie patinoire. Oui, c'est pour ça. Ouais. Bon allez on trace. Demain je vais aller travailler en patin. En patin à glace. À fond. Bon allez. Ouais. Allez on y va. On y va. Allez go. Donc déjà, il faut que tu divises ça en 3. Ça, il faut que je le divise en 3. Sachant que là, il faut faire attention, là, il y a aussi le fil. Ouais. Tu vois, bah, il faudrait qu'il y ait une étagère qui tombe pile poil au-dessus du fil. Quoi. Bah ouais, mais là, si tu la mets là... Oui, t'auras du mal à diviser en 3. Et pourquoi tu ah non, mais c'est bon. Pourquoi tu veux forcément pourquoi diviser en 3? Tu voudrais faire en combien? Bah en 1, mettre une étagère ah ici. Ah non, en 1, mais non. En 1, après, la place, elle est perdue. Oh ouais, j'y vais, la place, elle est perdue et tout, c'est le bordel, t'as vu? Vas-y frère, tu fais n'importe quoi. C'est ça en fait. T'as ton petit côté crayoise qui remonte là. Vas-y frère, vas-y, fais les étagères. Ah mais t'abuses là, vas-y, si tu coupes en 3, c'est pas bon, t'as vu. Allez. Non, en 3. Enfin, en 3, 2. En 3, c'est en 3. Et en 4, c'est trop petit. Ok, patron, pas de soucis. Et en 4, ça va être trop petit. Allez, 1 mètre. Voilà. 1 mètre, en 3. Vas-y. Bah vas-y, c'était si maligne que ça. Bah ça fait 33. 33 et 33, 66 et 33, 99. Tu es mouché là. Ok, d'accord. Donc 33, 66, 99. Bah, 33, 66 quoi. Et regarde un peu où ça tombe par rapport au fil. 33. Et 66. Non mais c'est pas grave, le fil, on fera une petite encoche. Pourquoi? Bah, pour toi repérer, repère-toi. Bah moi je vais la prendre au trait et puis 33. Bah non, on fait 66. C'est qui la chef des étagères? Ah, mais ok, d'accord. Bah non, mais comme ça tu y reviens pas. Ah, mais ok, d'accord. Voilà. 33. Donc là c'est bien, ça t'en fait une ici et une bah ici. Bah voilà, c'est ça. Ah, parce qu'en deux, c'est chiant. En deux, mais t'appuies ça par rapport à la hauteur de cahier, de machin, de. Non. Non. Non.
T'es sûr? Mais à cahier, ça fait 29,7, hein. Ça fait ouais. 30. Mais t'es sûr que tu vas avoir des boîtes qui vont rentrer dedans? Parce que là, au niveau profondeur, on n'est pas gourmand. Hein. Oui, bah là, on faut que ça fasse 22 max, hein, tes boîtes. Hein. Ouais, mais si, t'as bien des petites boîtes. Une petite boîte, ouais. Tu les mets en longueur. On va les prendre chez Action. On est là pour faire les étagères aujourd'hui. Parce que vous comprenez bien, il fait trop froid pour faire le coffret gaz. Du coup. Parce que tu comprends, les joints, sinon ils vont pas tenir, mon copain. Donc on fera ça au redout la semaine prochaine. Les amis, ça y est. Les étagères, c'est fait. Ouais, c'est fait, impeccable. Hop. Hop, nickel. Maintenant, on s'attaque au... Poignée. Alors, c'est des beaux petits trucs, hein, regarde. Là, mon copain. Je sais pas si ça fait la mise au point. Ouais, non, pas trop. Ouais. Ah. C'est bon. Ouais, c'est des belles poignées. Des belles petites poignées. Poignées dorées. Poignées dorées, hein, qui vont bien avec le... Avec le verre. Avec le verre, hein, donc voilà. Carrément. Donc, je suis en train de réfléchir parce qu'il faut que je coupe, mes vis pour pouvoir les passer... Ouais, qui passe bien. Bah ouais, sinon ça va être trop épais. Là c'est du dibon, hein, c'est pas une planche, hein, donc ouais. Bah ouais. Alors, allez go, en avant Guingamp. Ça va aller, tu crois? Hein? Ça va bien tenir? Bon, on verra bien. On verra bien. J'aime pas ça. C'est des étincelles, non? Ça y est? Non, non. Bah si, mais faut que je le serre. Donc faut que je cherche un tournevis. Ça y est, les amis. Poignée mise. Ah, ça habille. Bon, la chambre est bientôt terminée officiellement. Ouais. Elle est finie à 95%, quoi. Voilà, voilà. Voilà. Du coup, la chambre bientôt finie. À fond. Là, il me reste à trouver des stickers pour décorer les portes. Ouais. Décorer un peu la chambre. Et puis faire notre système pour lever le sommier si besoin d'aller à trappe moteur. J'avais expliqué mettre une barre en fait sur les placards pour pouvoir poser le sommier dessus. C'est ça. Voilà, il reste plus et ça. Puis voilà, fixer la télé et la chambre elle sera finie. Ouais, et puis aussi remettre une petite baguette PVC sur le placard de l'école. Parce que tu sais, j'avais oublié, j'avais remis une planche brute. Donc je vais remettre une petite cornière PVC. Ah non, t'as ce qu'il faut. Ah ouais, j'ai ce qu'il faut. Sinon, je vais mettre une petite cornière PVC. Donc voilà, la chambre elle est quasi finie. Tu peux te pousser s'il te plaît, faut que j'aille mettre ça à la poubelle. Et puis, bon, ça. Et puis avec le froid, j'arrête pas d'aller pisser moi. C'est un truc de dingue. Bon allez. Du coup, journée finie pour aujourd'hui parce que là, dans une heure, il va recommencer à geler. Donc, faut qu'on rentre. Et puis, on vient demain après-midi. Parce que demain matin, je travaille. Je vais boire un café. Et toi, tu vas boire un café. Voilà. Allez, tchuss! Bonjour! Enchantée! J'ai toujours froid. Non, ça caille vraiment quand on arrive. Là, ça serait que moi, j'ai eu repas en courant. Fait zéro dans le bus. Regarde, ça a gelé sur les carreaux, mais à l'extérieur. Ah oui, heureusement pas à l'intérieur. Oh la vache. On va part sur Paris, c'est ouais. Pareil de l'autre côté. Et là, on a deux enfants en PLS. Clarisse, ça c'est. Je sens plus mes deux pieds. J'ai les mêmes pieds nus. Ah, c'est normal, c'est le nord. Ouais, tu vas aller perdre tes deux pieds. Non mais c'est pompe et tout. Moi aussi. Bon là ça va, il y a le chauffage qui tourne. Ça va, ça va. Je commence à recevoir, ça va. Moi aussi j'ai un bébé. Ça va aller. Un bébé. Comment vous allez faire après, hein?
Bon, après, on aura deux V-Basto, on sera bien, on aura bien chaud. Bon, les amis, la semaine s'achève. Il n'est pas content, il n'a pas fait tout ce qu'il voulait faire. Le froid, il l'embête. Ouais, le froid, il m'embête. On peut rien faire, c'est chiant. On était à deux doigts de partir tout à l'heure. On a quand même posé deux rails. Deux rails. Et on a pris les dimensions de toutes les fenêtres pour les rideaux occultants. Thermiques. Ouais. Thermiques, pardon. Non, mais t'as raison, c'est occultant thermique. Voilà. Ouais, donc voilà. Donc on n'a pas fait grand-chose, ça me prend le chou parce que... Voilà. Comme vous savez, on peut pas mettre de colle PU, là il fait trop froid, si ça... Non, mais je suis chafouin, c'est chiant parce que... Ils annoncent 13, 14, voilà. La semaine prochaine, ça ira mieux. Ouais, là, on peut pas faire de colle, on peut pas... Enfin, voilà, puis ça caille fort, franchement, ça caille fort. Ouais. Là, j'ai changé la station. Ouais, par contre, on a changé la station de place. J'ai changé la station météo. La chaleur, elle est en haut, en fait. Ouais, carrément. Donc là, on se rend compte qu'il... Et en bas, il fait super froid avec les soutes. Bah, c'est ça, là, j'ai les pieds congelés. Ouais, j'ai les pieds gelés, ouais. Ouais, moi aussi. Et en fait, on se rend compte qu'il faut absolument chauffer les soutes et isoler les soutes. Parce que on sera peut-être pas toujours au soleil, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment... Quand on met la station là, sur le meuble de cuisine, là, ouais, on monte pas on dépasse 10. On dépasse pas les 6-8. Ouais. Et là, on l'a accroché. On est à 14, ouais, ouais. 15. Là, on est à 15. Elle est juste derrière Sandrine. On est à 15. Là. Décale-toi, hop, voilà, on est là. On est à 15 et 66% d'humidité. Il y a tellement de froid qui remonte du bas qu'en fait on n'arrive pas à se réchauffer en fait. Bah ouais, voilà. Et puis j'arrive pas à connecter mon capteur sans fil là. Donc je sais pas pourquoi. Faut que je regarde. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a froid. Ouais, je suis chafouin. Hein. J'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais là. Je vous ai annoncé que j'allais faire le gaz et puis bon, finalement après je suis pas monsieur météo hein, donc j'y peux rien. Hein, mais bon, voilà. Donc, je vous dis pas de date. Hein. Je verrai bien avec la météo. Hein. On verra bien avec la météo, voir un peu comment on va faire. On va se démerder. Hein. Faut arrêter de dire en avance ce que tu veux faire la semaine d'après. Ah oui, parce que regarde, là j'étais parti, j'étais chaud patate. On a c'est tout après, coup, c'est ouais. comme ça vient. Donc voilà. Bah ouais. Puis là, on n'avait pas le choix que de faire comme ça. Quoi. Comme ça vient et comme on peut. Donc ça sert à rien de faire des trucs. Ça c'est là, ça c'est là. C'est... Ouais, mais c'est chiant parce qu'on respecte pas le planning. On fait et on fait. Ah merde, putain, on a été malade, le froid il vient s'inviter, il neige, ça caille. Non, c'est chiant, merde. Oh, le prochain véhicule, je le fais l'été. Comme ça, on est tranquille. Bah, déjà, on a fait le plus gros l'été. Hein. Le plus gros, il faisait beau et tout. Hein. Non, mais là, pour les petites choses, c'est chiant. C'est chiant. Enfin, pour les petites choses, il y a encore pas mal de petits trucs à faire, mais c'est chiant, on peut pas prévoir, c'est chiant. Je répète, hein. Voilà. Bon, sur ce, hein. Ah, t'as pas raconté ? De quoi ? Bah, ce que tu voulais raconter. Ta surprise. Ah oui ! Ah ouais, c'est... Ouais, mais je suis tellement chafouin, moi, de pas avoir fait ce que je voulais faire cette semaine-là, voilà, quoi. Bon, il y en a qui l'ont peut-être vu, hein, la surprise. Oui, je pense qu'il y en a qui l'ont vu, ouais, mais enfin, voilà, quoi. Ma petite femme, elle a organisé quelque chose, et ça m'a fait super plaisir. Dans la... Vous savez, voilà, on suit les vadrouilleurs, hein, voilà. Et à la fin... Ouais, pas le sol quand tu parles, hein. Non, mais ouais, non, mais je suis pas dans mon assiette, là. J'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire. Voilà. Bon, enfin, bref. Allez, on se motive pour la semaine prochaine. Ça va le faire, mon copain. Alors, bon, comme vous le savez tous, on suit les vadrouilleurs. Et là, ils ont fini leur daily vlog. Et ma petite femme, elle s'est mise en lien, elle a contacté Charlotte sur Insta, des vadrouilleurs. Puis elle leur a demandé s'ils pouvaient me souhaiter mon anniversaire. S'ils pouvaient tout, hein, sans voilà. Et bah, je vous invite à regarder la vidéo de fin des daily vlogs, la dernière vidéo des vadrouilleurs. Vous allez comprendre. Voilà, vous regardez la dernière vidéo des vadrouilleurs, la première seconde de la vidéo, tu vas comprendre. Et moi, j'ai été comme un con. La tête qui a fait. J'étais comme un con. J'étais après une bonne journée de travail dans le froid. On est rentré machin, je me pose dans le canapé, je dis oh, tiens, je vais me mater ma petite vidéo des vadrouilleurs. Je m'installe et tout, je commence à mettre, puis à ce coup, la vidéo commence, je vois Yosan, et puis tu sais, moi j'étais en train de regarder, je dis putain, mais c'est l'anniversaire à qui, tu vois, puis tu sais, je n'ai pas fait attention. Puis à ce coup, je me tourne, et je regarde Sandrine, puis je dis Seb, tu sais, je vois Yosan, anniversaire, à ce coup, je regarde, je dis bah, ça, Seb, puis à ce coup, j'entends mon nom, donc Sébastien, tu vois, joyeux anniversaire Sébastien, machin, putain, là je regarde la télé, je fais
Enfin, mais... J'ai dit, putain, puis à ce coup, bah, Jérémy, il dit, ouais, tu peux remercier ta petite femme, elle nous a contacté, machin et tout, Nani, là, bah, franchement, voilà. Ouais, donc j'étais super content, c'était un beau petit cadeau quand même, ça va, voilà. Et puis ça fait plaisir, quoi, voilà, ça remotive pour la suite, quoi, voilà. Et puis voilà. Bon, puis après, bon, bah, du coup, il y a la météo qui et fait voilà, chier, quoi. Voilà. La météo qui bon, fait chier, mais... Non, mais la semaine prochaine, si il fait beau, on a encore plein de trucs à faire. On a souvent des choses à vous raconter quand même, hein. Ouais. Des petites anecdotes. Mais carrément, ça. Et ça va être la semaine prochaine, comme anecdote. Qu'est-ce que t'as à dire, belle blonde? Ben, abonnez-vous. Abonnez-vous, les amis. Voilà, abonnez-vous, partagez au max, et surtout, mettez un petit pouce et commentez. Voilà, c'est super. C'est, voilà, moi j'aime bien voir un petit pouce, voir un petit commentaire et tout, c'est énorme. Bon les amis, sur ce, on se laisse. On se dit à la semaine prochaine en espérant qu'on perde pas nos doigts de pied. Allez, bisous. Bisous. J'espère que ça va aller la semaine prochaine. Sur ce, à plus tard. Bye bye.